Avant, ma peau était sans valeur, sans couleur, sans vie. Mais depuis que j'utilise Krita Skin 3 en 1 de chez Wolfie Darkan, tout a changé. Krita Skin 3 en 1, c'est 3 étapes simples pour que votre peau retrouve tout son éclat. 1. Donnez du volume à votre corps. Avec la gamme de peinture qui va du noir au blanc, je peux me concentrer sur mon éclairage sans m'inquiéter de la couleur de ma peau et offrir à mon corps tout le volume qu'il mérite. 2. Oubliez le fond de teint. Wolfie Darkan présente le filtre de dégradé. On le trouve dans le menu Filtre, Carte, Dégradé. Une seule application suffit pour définir la teinte de ma peau. Je m'assure simplement que les couleurs de début et de fin soient dans le mode de couleur personnalisé et que l'opacité est bien au maximum. Pour gagner du temps, il existe un menu de pré-réglage. Celui-ci, par exemple, fera une bonne base pour les peaux les plus sombres. S'il est disponible, j'utilise le bouton « Convertir en dégradé de fin », ainsi l'interface sera plus simple qu'en mode dégradé de segment. Adieu les boutons superflus! Si un pré-réglage va du clair au foncé, cliquez ici pour inverser le dégradé. Parce que votre temps est précieux, vous trouverez le Wolfie Pack de dégradé spécial peau en description de la vidéo. 3. Dites au revoir aux peaux cadavéreuses. Avec CTRL-SHIFT-G, je fais un groupe de rognage rapide. Je passe le calque masque en mode incrustation et ajoute des variations de teinte avec un pinceau très doux et peu opaque. Je passe du rouge sur les articulations ainsi que le long de la démarcation entre la lumière et l'ombre. Avec Krita Skin 3 en 1 de chez Wolfie Darkan, je prends soin de mon Terminator. Cet effet est beaucoup plus présent chez les personnes à peau claire que foncée. Avec du cyan, je peux également laisser transparaître quelques veines là où elles sont le plus visibles. Et enfin, avec un autre calque dont j'active l'icône d'alpha mais que je laisse en mode normal, je peins un peu de la couleur environnante sur les contours de la peau, notamment la couleur du ciel sur les contours supérieurs. Cette fois, ce sont chez les peaux foncées que cet effet sera le plus visible. Ces nuances devant être subtiles, on peut ajuster leur puissance en jouant sur l'opacité des calques. En bonus, pour ceux qui aiment les peaux avec de la matière, Wolfie Darkan invente Wolfie Imperfect Texture Pore. Dites non aux peaux de poupée sans imperfection. Prenez le pinceau de base Texture Splat ou le pinceau Wolfie Texture Pore du pack de brosse fourni en description. Ajoutez un autre calque en mode incrustation et, avec un pinceau en gris légèrement plus clair ou légèrement plus foncé que la moyenne, passez sur les zones de la peau qui vous paraissent trop lisses pour être réalistes. Utiliser le foncé et le clair à la fois vous donnera encore plus de matière. Vous pourrez toujours l'atténuer avec l'opacité ou même simplement gommer là où l'effet s'avère trop important. Bien sûr, Krita Skin 3 en 1 est compatible avec toutes les méthodes de retouche manuelle pour toujours plus de contrôle sur l'aspect de votre peau. N'hésitez plus, utilisez Krita Skin 3 en 1 de chez Wolfie Darkan. En plus, c'est gratuit. Le gratuit, parce que ça ne vaut rien.